Salut, bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3. Vous êtes les bienvenus dans votre matinale Actu Matin. Merci donc d'être avec nous. Wahab Ali Kwara, bonjour. Lucien, bonjour. Bonjour à tous. Dans un instant, la une des journaux avec les confidences d'un ancien ministre au quotidien Fraternité. Il s'agit de l'ancien ministre Benoît Degla qui, à travers ses propos, déclare que les acteurs politiques qui devraient permettre à Patrice Talon de respecter sa parole d'un mandat unique n'ont pas coopéré dans ce sens. En tout cas, c'est un entretien très riche que je partagerai avec vous tout à l'heure. Les Béninois seront donc appelés à aller voter en avril 2021 pour élire le président de la République à la lecture des dispositions de la Constitution révisée et du code électoral en vigueur. Le premier tour sera organisé le dimanche 11 avril 2021 et le second le 9 mai. Cette échéance mettra donc fin au premier mandat présidentiel de Patrice Talon, désormais candidat à sa succession. À peine évoquée, la déclaration d'intention sortie de la réunion politique restreinte que le chef de l'État a tenue avec des leaders clés fait l'actualité depuis lundi. On y revient une fois encore ce matin. À suivre les unes, le forum et plus loin, les déductions du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin sur cette actualité. Bienvenue, Dédéon Milohin, membre du parti Moël Bénin, est notre invité du jour. Et justement, pour la présidentielle d'avril prochain, qui sont les prétendants, qui sont donc les candidats? À pratiquement 6 mois du premier tour, les ambitions ne sont clairement pas affichées. Tous, apparemment, jaugent encore l'espace politique et comparent les muscles. En tout cas, ce matin, analyse de la face cachée d'une présidentielle à plusieurs inconnus avec Wahab Ali Kwara et Herman Anyambosu au forum de discussion. Restez avec nous. Vous recherchez une formation qualifiante dans les métiers d'expert comptable, de banquier, d'assureur, de communicant, de gestionnaire d'entreprise et de spécialiste des ressources humaines. L'Institut supérieur d'expertise et de gestion, fondé et dirigé par une association d'universitaires et de professionnels, prépare au diplôme d'état de licence et master dans les filières comptabilité, contrôle de gestion et audit, management des ressources humaines, banque, finance et assurance, marketing et communication. À l'ISEG, préparez également votre diplôme d'expertise comptable suivant le cursus français, en présentiel et via notre système de e-learning. Grâce à nos partenariats avec une vingtaine d'entreprises et institutions, l'ISEC garantit les stages d'immersion professionnelle à tous ses apprenants. Mieux, votre mobilité académique vers les universités partenaires du Bénin, de la Tunisie et du Cameroun est assurée. Pour tout renseignement, rejoignez notre campus Isakotonou Bedroumende, deuxième rue après le Carrefour Saison Poule, et sur notre page Facebook ISEC Bénin. Ou appelez le 229 21 32 10 43 ou le 66 51 76 50. Site web www.isegbenin.org. ISEG, l'expertise à votre portée. Voilà, pour ouvrir notre série de lecture des titres à la une des parutions du jour, on va commencer par le quotidien Fraternité, avec cet entretien accordé à l'honorable Benoît Degla, député à l'Assemblée nationale. Wahab Ali Kwara, nous sommes avec vous. Oui, bonjour Christian, bonjour à tous. C'est Fraternité qui rapporte donc les propos de l'honorable Benoît Degla au sujet donc de la candidature annoncée de Patrice Talon pour 2021. Le député dira en effet les acteurs politiques qui devraient lui permettre de respecter sa parole n'ont pas coopéré dans ce sens. À Boïcon et à Bomé, violence sexuelle et sexiste en toute impunité. Arrestation d'un homme avec 12 fusils à Sinandé. Il y a matière à s'inquiéter. Information à retrouver à la page 2 du quotidien Fraternité. Grève des commerçants à Ibo, des commerçants Ibo à Parakou. La réaction du préfet Djibril Mama Cissé. Et puis Romain
Constance Binakpon, une footeuse qui vise loin. À la une maintenant du quotidien L'Informateur, interpellation d'un conducteur de taxi moto avec 12 fusils, la police républicaine sur les traces d'une dame vers le démantèlement d'un vaste réseau de trafiquants. Incendie à Cotonou, dans la zone de Jéricho, plus précisément, une centaine de motos neuves consumées par les flammes. La dépêche, le scrutin de la présidentielle de 2021, les prérequis d'une élection apaisée. Puis, selon les nouvelles dispositions constitutionnelles, le prochain président prête serment le 23 mai 2021. Quotidien Le Matinal, la présidentielle de 2021, qui sera le vice-président de Patrice Talon, s'interroge le journal. Et puis électricité, la modernisation du réseau de distribution enclenché. Quotidien La Nation, restitution des trésors culturels par la France, le Bénin maintient son agenda. Et puis le programme alimentaire mondial récompensé prix Nobel, le programme alimentaire mondial donc qui a reçu le prix Nobel de la paix. Économie locale, Malanville, un grand pôle d'activité économique. Les Pharaon, bourse de travail, la grève, l'ultime arme en mutation chez les syndicats. Présidentielle 2021 au Bénin, au service de la démocratie et de la démagogie. Lire la tribune de Roch Nyanhui David. Présidentielle de 2021 toujours, affichage de la LEPI et indifférence des populations. La communication du COS LEPI indexée selon les Pharaons. Quotidien L'Indépendant à présent, séisme au sein du parti de Jacques Ayadji, des cadres fondateurs de la 5e circonscription électorale du parti Moël Bénin démissionne. Et puis contribution de l'écotourisme au développement local, Louis Diegbaté reçu au grade de docteur. Il est parti en fin de semaine avec la mention très honorable et les félicitations de membres du jury à l'université d'Abomey-Calavi. Mission accomplie pour le secrétaire permanent Messien Diego, des avancées considérables pour l'emploi et la formation dans l'espace UOMOA. Nouvelle mutation, que cache le mutisme de Paul Essay Ico, s'interroge le journal. Et puis conférence de presse du groupe national de contact, Talon appelé à abroger les lois antidémocratiques. Info plus second mandat, la candidature de Patrice Talon évidente, présidentielle de 2021. Où est l'opposition, s'interroge le journal. La surprise du chronogramme. L'événement du jour, célébration de la fête de la GANI édition 2020, la COVID-19 emporte le volet festif. Et puis l'ARCEP Bénin qui met en garde les fraudeurs en ce qui concerne l'exercice d'activités de communication électronique sans aucune autorisation. Les fournisseurs illégaux de services postaux aussi mis en garde. Recrutement à la police républicaine, les épreuves sportives démarrent ce vendredi. Voilà Christian, un tour rapide d'apparition ce mardi avec Fraternité donc qui revient sur les propos de l'honorable Benoît Degla en ce qui concerne la candidature annoncée de Patrice Talon en 2021. Voilà justement, et qui déclare que les acteurs politiques qui devraient lui permettre de respecter sa parole n'ont pas coopéré dans ce sens. Ce sont là les propos de Benoît Degla que nous vous invitons à lire en page 2 et 3 du quotidien Fraternité. C'est une interview réalisée par Moïse de Soumou, et à la question de savoir à titre personnel s'il souhaitait que Patrice Talon soit candidat, il déclare, je cite, « Personnellement, s'il est candidat, je vais l'accompagner. Ces 4 dernières années, nous avons mené le combat ensemble. Au vu des résultats, nous pensons qu'il a encore la capacité d'offrir davantage aux populations. Je souhaite qu'il soit candidat et je souhaite aussi qu'il soit le candidat de mon parti. » Et puis, seriez-vous prêt à parrainer un candidat de l'opposition? Il déclare, je cite une fois encore, c'est un choix personnel. Je rappelle que le parrainage n'est pas une invention béninoise, cela se fait ailleurs.
prenez le cas de la France. Pour que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon participent à la dernière présidentielle, le Parti Socialiste et les Républicains ont demandé à leurs élus de les parrainer pour qu'ils puissent avoir le nombre de signatures requises. Donc, parrainer quelqu'un ne veut pas dire qu'on est avec lui. C'est purement un acte démocratique. En tout cas, ces propos sont à découvrir dans le quotidien Fraternité, parution du jour. Vous avez également la possibilité d'aller sur le site internet du journal de Menantin sur le www.fraternitébj.info. En fin d'édition, la revue de presse avec Assiongbon, Kanya Assiongbon, une revue de presse qui interviendra autour de 8h30. Prenez le rendez-vous. Bonjour à vous, Ingrid Dem. Bonjour Christian et bonjour à tous. Au sommet de l'actualité, lancement hier d'un guide méthodologique conçu pour renforcer la cohérence de l'action publique et mieux orienter les gouvernants dans leurs interventions. La cérémonie de lancement a été rehaussée par la présence de deux membres du gouvernement. Démarrée depuis plusieurs jours déjà, l'opération d'épuration de la liste électorale se déroule dans toutes les communes du Bénin. Avec Imet Hélène Amoussou, nous allons vous faire vivre le déroulement de cette opération à Boïko. Voilà. Les images à voir dans notre mini-journal, nous allons observer la pause. Le retour plateau, c'est tout à l'heure. Ça vous prend? On n'est jamais assez prudent. Sous la pression, prudence est mère de sûreté. Prudence Plus, chaque fois, toutes les fois. Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout. C'était dans les titres d'Ingrid Day il y a un instant. Le Bénin s'offre une nouvelle boussole pour l'élaboration de ses politiques publiques. Il s'agit d'un guide méthodologique conçu pour renforcer la cohésion de l'action publique et mieux orienter les gouvernants dans leur intervention. Le document a été officiellement lancé dans l'après-midi d'hier à Cotolou. C'était en présence de nos reporters Narcissa Lostsey et Moufid Sabouran. Voici le nouvel outil d'appui dont dispose le Bénin pour la planification de ses choix de développement. Il s'agit du guide méthodologique d'élaboration des politiques et stratégies. Un document de 165 pages conçu pour renforcer la cohérence de l'action publique. Une version actualisée et enrichie du guide qui tient compte des orientations du Plan national de développement 2018-2025, des directives de la LOLF et des thématiques transversales que sont le genre, le changement climatique, l'emploi et la transformation digitale. Des thématiques articulées autour de quatre chapitres qui intègrent la prise en compte dans les systèmes de planification, de budgétisation et suivi-évaluation des politiques et stratégies. L'élaboration, elle, a bénéficié de l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement, dont la représentation au Bénin salue une avancée en termes de développement. En effet, l'adoption de l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable, ODD, exige un changement qualitatif dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques au niveau des pays, et cela pour permettre d'atteindre des résultats tangibles. À cette cérémonie de lancement officiel, deux membres du gouvernement. Ces derniers ont surtout rappelé les exigences de ce document pour les ministères sectoriels. Premièrement, s'inscrire dans la mise en œuvre rigoureuse du PND et de ses documents d'opérationnalisation. Je parlais du PAG, du PC2D. Deuxièmement, d'aligner les stratégies aux directives de la LOLF.
et troisièmement, d'intégrer suffisamment le genre, l'emploi, le changement climatique et la transformation digitale. L'opérationnalisation du guide méthodologique favorisera la mise en œuvre des stratégies nationales de développement en permettant de renforcer les cadres de gestion participative des politiques et d'accroître les capacités d'élaboration des stratégies nationales de développement et des politiques. Cette opérationnalisation a été adoptée le 12 février 2020 en Conseil des ministres. Et depuis plusieurs jours, le COSLEPI a lancé l'opération d'épuration, d'appurement et d'actualisation du fichier électoral. Ingrid, où en est-on? En effet, Christian, tout comme les populations des autres communes, celles de Boyicon sont aussi invitées à consulter les listes afin de relever les éventuelles erreurs. Imet Hélène Amoussou nous fait ici le point du déroulement de l'opération dans cette localité. Le processus est enclenché depuis un moment. L'actualisation du fichier électoral national est entrée dans sa phase active. La liste électorale permanente informatisée est affichée depuis quelques jours aux endroits indiqués sur toute l'étendue du territoire national. À l'instar des citoyens des autres villes, ceux de Boyicon sont aussi invités à consulter les listes dans les centres de vote. L'objectif est de collecter les requêtes relatives aux erreurs matérielles et données personnelles telles que le nom, les prénoms, la filiation, le domicile et la profession. Les chefs quartiers ont été plus impliqués que cela se faisait. Aujourd'hui, les chefs quartiers sont invités à aider la population, ceux qui n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste, ceux qui n'ont même pas eu, ceux qui ont eu une interférence de photo, c'est-à-dire une autre photo est à sa place, ceux qui ont demandé des transferts qui ne se sont pas réalisés. Nous avons un cahier à notre disposition où ces différents cas sont recensés. Ceux qui n'ont même pas eu leur carte LEPI avant, on nous a instruit de les prendre en compte. L'opération de toilettage de la LEPI ainsi lancée va se dérouler en plusieurs étapes. Elle s'étale sur plusieurs mois. La phase d'affichage répond aux exigences de la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Pour la réussite de cette phase, les chefs quartiers et autres élus locaux sont associés. Ils ont pour mission d'informer les populations et de s'assurer des conditions de sécurité autour de la liste. Nous, on a cherché un tableau sur lequel nous avons installé ces listes. Nous avons numéroté de 1 jusqu'au nombre de feuillets qui se trouvent dans nos quartiers. Ça permettra aux intéressés qui vont arriver de bien se retrouver. Il y a quelques endroits où les enfants ont déchiré toutes les choses là et on avait exhorté les sécurités surtout de mettre ça sur des tableaux d'affichage pour que les soirs ils puissent les laisser rentrer. De temps en temps, je passe pour leur demander comment les choses ont été faites. Ils m'ont montré leur cahier, comment les choses ont fait. Donc je crois qu'il n'y a pas trop d'inconvénients à ce niveau-là. Donc le travail est bien fait et je suis le travail avec eux. Je passe de temps en temps pour le voir et ça marche très bien. Pendant 21 jours, les populations sont appelées à la vérification de la conformité des données, faire des corrections en cas de besoin, s'inscrire en cas d'omission et procéder à des transferts en apportant la preuve. Le processus va permettre à terme de produire une liste électorale consensuelle, participative et fiable qui garantit à tous les citoyens en âge de voter le droit d'accomplir leur devoir civique. Voilà, de Boyicon, nous allons faire un tour à Glazoué pour parler d'une série d'ateliers qu'a organisé Plan International Bénin. L'activité s'inscrit dans le cadre de l'élaboration et la mise en œuvre du projet Plan pour les filles. On retrouve Yemet Hélène Amoussou et Georges Faudounon. Glazoué, c'est la dernière étape d'une série de 4 ateliers initiés par l'équipe du projet Plan pour les filles. Ici, ce sont les filles membres du conseil consultatif de la commune qui sont conviées aux échanges. À travers ce creuset, elles vont identifier les problèmes qui entravent leur épanouissement, leur bien-être ainsi que la réalisation de leurs droits sur la base des consultations déjà effectuées. Elles vont aussi analyser les causes profondes qui expliquent l'existence de ces problèmes et proposer des actions qui aideront à les résoudre. Ce projet est innovateur parce que ça s'intéresse spécialement aux filles. Et toutes ces habitudes-là vont être abandonnées. Les conseils dont on nous donne, je les mets en pratique et je veux que tous les jeunes de Glazoué aussi puissent les mettre en pratique comme moi et qu'il y ait du développement
dans la commune. Les filles ont émerveillé parce qu'elles ont dit tout ce qu'elles avaient dans le cœur. Elles ont parlé de tous les blocages, toutes les situations qui font qu'elles n'arrivent pas à progresser, aussi bien dans le domaine de l'éducation, à plusieurs barrières liées à la protection, à la santé sexuelle et reproductive et à l'autonomisation économique. Les ateliers de priorisation représentent une phase importante de la mise en œuvre du projet Plan pour les filles. Il est financé par Affaires mondiales Canada et vise à s'attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité et de la marginalisation des adolescentes et jeunes femmes au Bénin, en faisant d'elles les agents de leur propre développement. À cet effet, les responsables comptent sur l'implication et l'engagement de diverses autorités pour l'atteinte des objectifs. L'approche tient à cœur à l'Organisation Plan International Bénin, dont la stratégie mondiale d'ici 2020 est d'agir pour que 100 millions de filles puissent apprendre, diriger, décider et s'épanouir. Une vision partagée par les maires des différentes villes dans lesquelles le projet est exécuté. Nous pouvons déjà vous rassurer, du côté de l'administration, que nous ne ménagerons aucun effort, sur quelque plan que ce soit, pour vous venir en aide, pour vous accompagner. C'est le moment, plus que jamais, que vous preniez la décision de renverser la tendance. Vous avez chacune des talents et de grandes aptitudes. Vous ne devez plus laisser personne vous faire penser le contraire. Quant à moi, mon accompagnement et celui de mes conseillers vous sont déjà garantis et ne fléchiront pas. Diverses activités sont prévues pour meubler cet atelier de priorisation qui a duré 3 jours. L'étape de Glazoué fait suite à celle de Banté, Dassa et Savalou. D'un atelier à un autre, démarré le jeudi 8 octobre, le séminaire national sur le harcèlement sexuel en milieu de travail s'est achevé samedi dernier. Organisé par le réseau des femmes syndicalistes du Bénin, ce séminaire a réuni des femmes des 6 centrales et confédérations syndicales. Les précisions avec Geoffroy Messin. Solidarité à jamais, solidarité. Solidarité à jamais. Ce rendez-vous entre femmes syndicalistes élargi à quelques hommes syndicalistes s'achève sur cette note de joie, de gaieté et d'engagement pour une meilleure protection de la femme en milieu du travail. Durant 3 jours, en effet, dans cette salle de conférence, le Borgou, de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, 16 acteurs du monde syndical, sur initiative du réseau des femmes syndicalistes du Bénin, RIFSB, ont mené des réflexions et ont été formés sur le harcèlement sexuel en milieu du travail. Cela nous a permis d'établir un plan d'action qui nous permettra d'aller de l'avant dans le processus qui doit nous amener vers la ratification de la Convention 190 et sa recommandation 206. Alors, chères sœurs et frères, je souhaite que nous soyons et que nous nous rendons disponibles pour être permanemment dans le processus vers lequel nous allons. Les travaux ont été meublés par des communications. Il s'agit entre autres de harcèlement sexuel en 10 questions, le harcèlement sexuel au travail, au Bénin et la loi 2006. Les victimes peuvent-elles compter sur le droit? Impact socio-économique du harcèlement sexuel en milieu du travail et la Convention 190 et la recommandation 206 de l'OIT, contenu et portée. La Fondation Freddy Chebet, pas ma voix, vous remercie et est heureuse d'avoir été associée à ce séminaire. Durant ces 3 jours, vous avez sans faux fuyant mis sur la table les préoccupations des femmes et des personnes vulnérables sur le phénomène du phénomène du harcèlement sexuel. Vous avez diagnostiqué les freins tels que les pesanteurs sociologiques. Vous avez élaboré des stratégies pour amener les décideurs politiques à s'engager avec vous pour mettre un terme au harcèlement sexuel en milieu du travail, surtout au Bénin. Je vous prie de restituer les connaissances acquises à vos camarades qui n'ont pas pu participer à ce séminaire, surtout les stratégies pour sensibiliser nos sœurs qui sont victimes
à pouvoir utiliser les différents mécanismes de dénonciation dont nous avons parlé ici dans cette salle. Les participants à ce séminaire national sont issus des six centrales et confédérations syndicales du Bénin. Selon la présidente du REFESB, les fruits de cette rencontre seront visibles dans les prochains jours sur le terrain. On passe à présent à la visite du gouverneur du district 403 à 4, mandat 2020-2021 à Boïkon. Il est allé s'informer sur la vie, les activités ainsi que les difficultés auxquelles sont confrontés les clubs Lions de cette ville. Il a profité de sa descente pour réactiver le club Lyon à Boumé City Royal. Reportage. Honneur et privilège pour le gouverneur du district 403 à 4 2020-2021 du Lions Club International. Mourid Alabi Adebayo Alabi Olatunji était en visite à Boïkon ce week-end chez les clubs Lyon de la zone 33. Avant de démarrer les différentes rencontres inscrites à son agenda, l'hôte du président de zone Cyril Leke est d'abord allé présenter ses civilités au maire de la ville Carrefour. Ce qui m'a impressionné dans votre présentation liminaire de Lyon, c'est la similarité qu'il y a entre ce que vous êtes, toutes vos dimensions prises en compte, et ce que nous sommes politiques. Vous avez dit que votre action s'inscrit dans la trilogie amitié, fraternité et solidarité. Mais vous venez de résumer ainsi la mission d'un maire. Donc soyez les bienvenus. De l'hôtel de ville, l'ami gouverneur Olatunji est allé échanger avec ses amis Lyon des clubs à Boumé le Pélican, Boïkon les Bananiers et Dassa les Collines. À l'entame de la séance, Cyril Leke a fait aux visiteurs un résumé des difficultés de rencontre, de cotisation et d'action des clubs Lyon qui composent la zone 33. Des détails relatifs à la situation financière et administrative de chaque club ont été apportés par les présidents de ces clubs. Les problèmes auxquels nos clubs sont confrontés sont pratiquement les mêmes, à savoir l'absence de la plupart des amis aux AGS, aux différentes activités Lyon, le non-paiement des cotisations statutaires de certains amis, les manques d'œuvres. Mais pour t'accompagner tout au long de ton mandat, cher ami gouverneur, mon équipe a pris les taureaux par les cornes en expliquant de long en large le programme du président international et le tien au cours de mes visites avec les clubs et aussi au moment du premier CCGD. De l'analyse du gouverneur et des membres de sa délégation ressortent plusieurs observations. Des orientations, pistes de résolution et aussi des conseils ont été donnés afin que les différents clubs continuent à apporter des services de qualité et à fort impact aux communautés qui sont dans le besoin. J'ai pu écouter les officiels sur l'état de santé de leur club. Des conseils utiles ont été donnés et nous avons reçu des promesses que ces conseils seront mis en application. Nous avons aujourd'hui pu donner force et vigueur à un club qui était déjà radié de la liste des clubs du Bénin en la personne du club à Boumé, cité royale. Intronisé roi de la zone 33, Mourid Alabi Adebayo Alabi Olatunji repasse satisfait. Les échanges de fanions, selon les amis Lyon, rapprochent davantage la zone du gouverneur à travers le slogan « Enthousiaste dans l'amour altruiste », ces Lyon entendent accentuer les formations, accroître leurs effectifs et multiplier les services dont les domaines de prédilection sont la préservation de la vue, l'environnement, la lutte contre la faim, le diabète ainsi que le cancer infantile. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de journée à vous. À vous le merci également. Merci Ingrid, très bonne journée du mardi. Nous allons observer la pause de transition juste après. On recevra en plateau les débatteurs du jour, Herman Anyambousou, Wahab Alikwara et juste après notre invité politique de ce matin qui nous vient du parti Moel Bénin. Bienvenue Dédéon Milorin. Avec lui, on parlera donc de la présidentielle de 2021 et justement l'actualité politique qui a trait donc à cette élection qui se rapproche à grands pas. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire?
Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au COVID-19, LBM Ciste Location de Voiture vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. SIST LBM Location de Voiture, contact 60 60 60 63. Marque. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacorp. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Allez, ce matin, nous irons très vite. Vous êtes là. Bonjour, oui. Herman Anenbosu. Bonjour, Christian Dalézon. Bienvenue. C'est merci de votre retour en plateau. Wahab Ali Para, pour nos discussions de ce matin, des projections. On le fera ce matin une fois encore en plateau. On va parler de la présidentielle de 2021 qui se rapproche à grands pas. D'abord, lorsqu'on se réfère aux dispositions de la Constitution en vigueur et du nouveau code électoral, la présidentielle doit se tenir, à chaque période de 5 ans, une date qu'on connaîtra désormais à l'avance, on dit le deuxième dimanche du mois d'avril de l'année électorale, oui. Pour le premier tour, et le deuxième dimanche du mois de mai, oui. De l'année électorale, oui. Pour la présidentielle. Donc un petit résumé nous fait dire ce matin que le 11 avril, oui. 2021, nous aurons le premier tour de la présidentielle, et le 9 mai 2021, le premier tour de la présidentielle, en attendant donc que les voix officielles nous confirmons cette date. En attendant, qui sont ceux qui s'activent sur le terrain? Nous parlons là des prétendants. Qui sont ceux qui sont déjà prêts? Qui sont ceux qui sont dubitatifs? Ou encore les hésitants? Plus loin, les plaisantins. Les candidats, en un mot. Tout le monde est personne. Tout le monde est personne. Il y a que nous n'avons pas les mêmes agendas, les partis politiques non plus, les candidats ou les potentiels candidats n'ont pas les mêmes agendas. Et chacun a sa stratégie. Pour ceux qui ont choisi les médias locaux, pour ne pas dire les médias traditionnels, on les voit. Même si ce ne sont pas les candidats eux-mêmes, on sent des soutiens, on sent des appels à candidature, on sent des suscitations de candidats.
candidature. Ceux qui ont choisi les médias en ligne, les réseaux sociaux et autres, on le voit. La foire s'anime à ce côté, ce côté-là. Il y a des suscitations de candidatures. Merci. Donc, il y a bien de, bien d'éléments qui concourent à dire que bon, on est intéressé à la présidentielle. On s'intéresse donc à la présidentielle de 2021, mais peut-être pas avec la même vitesse, avec le même enthousiasme, avec le même engouement que pour les élections passées, pour ne pas dire les présidentielles antérieures. En ce sens que, bon, tout est plus ou moins timide. Je crois que si on tient compte des années antérieures, ne serait-ce que l'année 2015-2016 pour la présidentielle qui a mené Patrice Talon à 6 mois des élections déjà, tout le Bénin était en ébullition, si on peut utiliser cette expression. Mais il y a une certaine timidité où personne ne sort clairement pour dire « je suis candidat ». Néanmoins, les actions sur le terrain, les consultations qui se multiplient avec les grands électeurs, comme on le dit souvent, avec les populations, les différentes couches de la société, font dire, ces consultations font dire que ces personnes ont une certaine ambition, ils ont un appétit pour le fauteuil présidentiel. C'est donc leur méthode. Mmh. C'est vrai qu'ils n'ont dit nulle part « je suis candidat ». Et je crois qu'aujourd'hui, pour la présidentielle, tout est bien structuré. Et on va voir d'ici peu ce qui... Dont vous parlez, vous mettez ça à quel horizon et quelle échéance? Toute l'interrogation est dans... L'interrogation est à ce niveau. Comment les choses vont se dérouler? Quand est-ce que les potentiels candidats vont sortir clairement pour s'afficher? Parce que vous n'êtes pas sans savoir également que les projets de société jusque-là ne sont pas encore établis. En tout cas, Peut-être sont pas qu'il y a un travail de l'ombre qui se fait pour ceux-là qui. Vous voyez, donc il y a plein d'interrogations. Qui ont des ambitions. C'est sûr et certain qu'il y a un travail de l'ombre qui se fait avant de porter à la place publique leur candidature. Est-ce être pressé si nous sommes à 6 mois d'une élection présidentielle? Est-ce être pressé en demandant au candidat de se déclarer, Herman Agnambosou? Wakaf tout à l'heure évoqué le cas de l'élection présidentielle qui a connu l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon en 2016. Oui. En 2016, on était à la fin de 2 mandats constitutionnels de Boni Yayi, de sorte que le président d'alors n'était plus candidat à sa propre succession. Et donc, les jeux étaient totalement ouverts. C'est d'ailleurs ça qui nous a permis d'avoir cette candidature à cette élection. Mais qu'ils vous souviennent qu'en 2011, malgré quelques candidatures qu'on a pu constater, ça n'a pas empêché Boni Yayi de faire un chaos retentissant et donc de pouvoir reprendre le pouvoir en 2011 et de pouvoir continuer pour 5 ans encore. Donc, je me dis, Patrice Talon, on aurait pu assister à cette valse, à cette danse des candidatures pour l'élection présidentielle 2021 si Patrice Talon n'était plus candidat à sa propre succession. Voilà que, oui, on en a parlé hier, dans un cercle un peu plus ou moins restreint. Il a annoncé qu'il va essayer de se jeter encore dans la course pour la conquête du pouvoir en 2021. Ce qui fait que, désormais, il me semble-t-il, ceux qui se réclament de son bord politique, en temps normal, ne devraient plus chercher à compétir avec l'homme, étant donné qu'il est au pouvoir. Donc, il faut plutôt espérer du côté de l'opposition désormais, pour voir qui de l'opposition va vouloir se présenter face à un candidat de la mouvance. Il y a aussi les candidatures indépendantes qui iront à la recherche des parrains. Oui, nous sommes ici, et Wahab a bien fait de préciser que le code électoral est plus ou moins désormais clair sur beaucoup de dispositions. Vous avez lu l'article 8 du code électoral. On aurait pu combiner cet article 8-là aux articles 40 et aux articles 131 qui nous fixent clairement les délais dans lesquels le président doit être connu. De sorte que ce que vous avez vu dans les journaux avant-hier ou hier, c'est parti du code électoral. Absolument. La Sénat, à cette date, n'a pas encore dit voici le calendrier. Mais ça permet désormais, le code électoral tel que c'est rédigé, ça permet désormais à tout individu qui arrive à lire, à s'instruire, de pouvoir dire nous avons élection présidentielle le 11 avril, nous avons le deuxième tour s'il y en avait à telle date du mois de mai. Et le code électoral a été tellement clair qu'on dit que c'est 50 jours avant le démarrage de la campagne électorale que les candidatures à la présidentielle sont bouclées. Donc nous avons encore un délai qui est devant nous. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est peut-être un peu d'amuser la galerie, parce que vous avez dû constater, la plupart des discours qu'on tient aujourd'hui, nous voulons restaurer la démocratie. Nous voulons. Qu'est-ce qu'on propose de concret?
projet de société. Il l'a dit, encore même que le code électoral n'a jamais dit qu'il faut, pour être candidat à une élection présidentielle au Bénin, il faut mettre dans les dossiers un projet de société. Le code électoral n'a jamais dit ça. Donc, le projet de société, c'est une sorte de contrat que le futur candidat ou que le futur président de la République, celui qui se prétend avoir la capacité de pouvoir diriger ce pays, c'est une sorte de contrat qu'il essaie de nouer avec les populations. Donc, on n'est pas tenu d'avoir un projet de société. C'est les populations qui, peut-être dans leur intime conviction, pourront se dire, bon, ce qu'il propose ce monsieur-là, on peut le suivre, sinon, il faut flashback. Sur ce point, je vais recueillir l'avis de Wahab Ali Kwara. Quand Emmanuel Niambosou dit qu'on n'est pas tenu d'avoir un projet de société, rappelant justement qu'il n'y a pas dans nos tests, hein, les tests électoraux, quelque chose ou un article qui demande expressément et forcément au potentiel candidat de présenter un projet de société dans les dossiers constitutifs de leur candidature. Finalement, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Bon, je ne partage pas pour autant cet avis, seulement que si c'est pour rappeler que les tests ne font pas obligation à un candidat de présenter un projet de société avant d'être candidat, bon, on peut accepter cela, mais vous ne pouvez pas vous lever et dire vous êtes candidat en l'air sans convaincre les populations. C'est les éléments que vous apportez pour convaincre les populations. Ce que vous promettez, n'est-ce pas, changer, corriger ou apporter de plus que vos prédécesseurs, n'est-ce pas? C'est ça qui, d'une manière ou d'une autre, motive les populations, motive les électeurs à aller aux urnes et à poser, doit dire, le cachet sur votre logo. Vous voyez, donc, c'est un contrat, comme l'a rappelé toujours Herman, n'est-ce pas? Un contrat entre le futur candidat et les populations pour qui il doit venir travailler. Il doit venir travailler une fois élu. Donc, ça devient, d'une manière ou d'une autre, une certaine obligation pour le potentiel candidat de présenter un projet de société clair, un projet de société convaincant et un projet de société raisonnable. Il ne s'agit pas de grossir les choses alors que vous-même, vous ne venez pas nous dire comment vous allez procéder, trouver peut-être les financements pour réaliser ce que vous avez promis. Parce que des fois, on sent des projets de société bien beaux qui vous font descendre des nuages d'une manière ou d'une autre, qui font rêver, mais au fond, n'est-ce pas, c'est la poudre aux yeux. Finalement, Emmanuel Niambosou, les candidats ou ceux-là qui ont des ambitions sont-ils confinés dans les nouvelles règles électorales? Oui, c'est clair, le droit à l'essai de l'ex, la loi s'applique à tous. Le code électoral a été toiletté dans les délais qu'il fallait. Les dispositions qui sont contenues dans ce code s'appliquent à tout candidat. L'article 41 qui parle du nombre de parrainages qu'il faut avoir. L'article 40 qui dit dans quel délai il faut. L'article 131 qui nous fixe également certains délais. Je pense que tous, l'un à côté de l'autre, ces articles nous permettent désormais de savoir que l'élection présidentielle au Bénin se tient à telle date. Sauf que si on avait une classe politique qui jouait pleinement sa partition, on n'a même pas besoin qu'il y ait un projet de société dûment rédigé. Parce que dans les débats qui devraient se faire pour animer la vie politique, on devrait déjà savoir à peu près tel candidat à telle élection, voici ce qu'il propose en alternative à telle option faite par tel président en exercice. Malheureusement, ça ne se fait pas. Tout ce qui se fait pour le moment, c'est qu'on essaie de passer de hameau en hameau, on essaie de passer de fait en fait. Heureusement, j'allais dire, même si je vais toucher du bois, que la Covid-19 n'a pas permis d'organiser assez de festivités cette année 2020. Et donc, on va peut-être voir ce qui va se passer, parce que ça oblige également les candidats, les potentiels candidats à changer de méthode. Parce que vous rappelez, à la veille d'une pareille élection présidentielle, c'est généralement à ces fêtes de Novicha, à ces fêtes de Glekwekwe, à ces fêtes de, que vous voyez, des candidats, des acteurs politiques. On va à l'église pour prier son Dieu, alors qu'on n'a jamais été à l'église, il y a longtemps. Et donc, ça perd, c'est toujours des occasions pour ces acteurs politiques de pouvoir en mettre plein la vue à ses électeurs, de pouvoir leur montrer leur proximité. Donc je pense qu'avec la Covid-19 qui change désormais les manières de voir et d'agir, ils vont forcément changer de méthode et on attend de voir ce que ça va donner. Mais toujours est-il que les délais sont là. Si effectivement, à l'étape où nous sommes, des candidats peuvent déjà vite se déclarer, ça permettra tout au moins à l'opinion ou aux électeurs de pouvoir rapidement suivre ce qu'ils disent pour voir s'il y a du contenu ou pas. Voilà.
On va passer au second sujet, si vous n'avez rien à ajouter, Wahab Ali Para. Non, l'essentiel est déjà dit. Mais comme je le disais dans mes premières prises de parole, n'est-ce pas, tout le monde est à son candidat désormais pour dire que les partis politiques ont désormais leur candidat. Vous n'êtes pas sans savoir que l'UDBN a déjà annoncé qui sera son candidat, en tout cas promis son soutien à un candidat qui, le week-end, lors d'une consultation avec les leaders politiques à ses actions, n'est-ce pas, a annoncé sa candidature. Je veux parler de Patrice Talon. Moël Bénin a désormais son candidat. C'est Patrice Talon. Donc, l'Union progressiste, le Bloc républicain, leurs candidats sont connus. Or, en République du Bénin, ce sont les partis. Les candidats officiels sont encore connus, on attend. Ça va sans dire que leur premier candidat, même si le nombre de parrains permet à leur niveau d'avoir plus de candidats, que leur premier candidat, n'est-ce pas, c'est Patrice Talon, en attendant qu'on vienne nous apporter la preuve du contraire. Donc, le reste des partis, ce sont les partis, comme on l'a dit, les tests qui confinent tout le monde à un strict minimum. Ce sont les partis officiellement en règle en République du Bénin. On ne va pas dire que le candidat de FCBE, n'est-ce pas, serait forcément Patrice Talon. Ce serait au sein du parti FCBE, de manière à ce que ça aille en opposition à Patrice Talon, vous voyez. Donc, les candidats sont connus. On attend peut-être le FCDB de Soumanou Toléba, un parti plus ou moins silencieux depuis un bon moment, venir nous dire qui est son candidat. Le MPL de Sabi Sira Korogone a son candidat. C'est tout sauf pour l'instant Patrice Talon. Vous voyez, donc chacun a son candidat. C'est de voir maintenant le parti restaurer l'espoir. Les démocrates arrivaient à remplir les dernières conditions. Et ils iront à la quête du parrainage. Il y a tous ces détails. Oui, je pense que, comme l'a dit Wahab, effectivement, les futurs candidats n'ont pas forcément besoin d'appartenir à un parti politique. Absolument. C'est juste les parrainages qu'il faut. Mmh. Encore que les tests de l'article 59 du Code électoral disent que le candidat électoral est rendu public par la Sénat 90 jours avant la date du scrutin. Ça veut dire, si on met l'élection, le premier tour du scrutin au 11 avril, ça veut dire que au 11 janvier, dans la première dizaine du mois de janvier, on devrait pouvoir avoir le candidat électoral. Donc ça veut dire que rien n'est encore tard. On va essayer de supputer un peu, on attend un peu. Mais toujours est-il que s'ils font vite, ça nous permettra au moins d'avoir de la matière et de pouvoir attaquer ou de pouvoir les aduler. Les analystes peuvent aussi attaquer. Les choses démagogiques ou des choses qui sortent de l'ordinaire, on sera plutôt que la même rengaine. Voilà, on continue de parler de la présidentielle qui s'approche pour avril 2021 et les institutions en charge de l'organisation des élections qui continuent de jouer leur partition. La Sénat qui a rencontré il y a de cela quelques jours les formations politiques à travers donc leurs représentants et encore les organisations de la société civile pour leur expliquer comment ça va se faire le parrainage, ensuite la répartition des fonds publics. Cette fois-ci, allons voir du côté de la du COSLEPI, ce qui se fait. On parle de l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée. Depuis quelques jours, la liste est affichée dans les arrondissements sur toute l'étendue du territoire national. J'aimerais savoir en plateau si vous avez déjà fait le pas. Est-ce que vous êtes allé déjà voir si vos noms sont bien écrits, votre date de naissance et autres? Aucune inquiétude chez moi. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi où je réside, l'arrondissement central. Moi, je n'ai pas eu d'inquiétude en ce qui me concerne personnellement. Mais il faut faire constater que très peu de personnes sortent pour aller consulter. On est en droit de dire que l'élection présidentielle prochaine intéresse très peu les populations. Un peu comme je l'avais dit, il manque d'engouement, n'est-ce pas, autour de cette élection. Mais il faut également dire que, d'une manière ou d'une autre, il y a la communication qui fait un peu défaut
au niveau du COSLEPI concrètement. Oui. Il y a des populations, quand vous vous rapprochez d'elles, elles vous disent... Elles n'ont pas les faux. Voilà, elles vous disent qu'elles ignorent que, par exemple, les on a vu les images de boycott tout à l'heure. Voilà, alors que... Oui, le reportage de Ymet Hélène Amoussou, où on sent que, bon, les populations ignorent que la liste est déjà affichée. Or, le travail est fait, n'est-ce pas, avec énergie, par le COSLEPI, à qui il faut tirer chapeau, n'est-ce pas, depuis le 1er octobre. Et on doit clôturer, si tout va bien, le 21 octobre prochain. Vous voyez donc, il y a un problème de communication qui se pose et je crois que l'équipe de Gilbert Bagana et autres sauront trouver la formule idéale, n'est-ce pas, pour communiquer autour. Et il faut également rappeler qu'il y a des mécontents hein, au niveau du COS, des précédents COS. C'est les équipes qu'on avait, utilisé pour faire de la communication. Ne serait-ce que les gongoneurs dans les quartiers et les arrondissements qui continuent de réclamer les dus, n'est-ce pas, pour le travail effectué lors des courses précédentes. Vous voyez donc ce mécontentement perdu jusqu'à présent au point qu'on se demande si les gens ne font pas confiance, c'est-à-dire les équipes utilisées pour la communication ne font plus confiance aux courses les plus. Vous voyez donc il faut voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, corriger cet état de choses. Il faut voir dans quelle mesure communiquer davantage pour que la population puisse sortir. C'est sûr est-ce que pour c'est le pas peu... le fait que les populations estiment que très récemment pour les communales, elles sont déjà allées voir les listes affichées, elles ont apporté les corrections qu'il faut. Et pour la présidentielle à venir, il n'y a véritablement pas grand chose à corriger, à moins de parfaire Niambosu. Oui, ce qui expliquerait donc cette indifférence que nous observons. Oui, effectivement, quand on parle d'actualisation de la liste électorale, il faut être clair. Pour le moment, je crois que c'est une sorte de radiation de ceux qui sont décédés. Il semble que la loi est claire là-dessus. C'est vrai que ça je n'ai pas assez clairement les dispositions. Mais il me semble que ce n'est pas un toilettage de fond en comble de la liste électorale. Donc, de sorte que, quand par exemple, pour moi, par exemple, qui ai l'habitude de voter dans loin de l'église Sainte-Thérèse de Goudomé, par exemple, je n'ai pas besoin d'aller voir la liste parce que je n'ai pas demandé à être affecté ailleurs, je n'ai pas demandé à voter. Donc, vous voulez donc dire, je dis clairement que vous n'êtes pas encore allé. J'y suis pas allé parce que habituellement, je vote là-bas et je n'ai fait aucune demande qui puisse justifier que mon nom soit changé ou que mon nom qu'on subisse de quoi que ce soit. Donc, ça peut expliquer le peu d'engouement que des gens ont allé sur le terrain. Maintenant, oui, il faut, à mon avis, demander peut-être aux partis politiques de pouvoir aussi jouer leur partition, parce que les partis politiques sont supposés avoir des militants. Hein, et donc, ils devraient, ces partis politiques-là, travailler, sensibiliser leurs militants à l'effet d'aller voir ce qui se passe sur les listes électorales. Est-ce que leurs noms sont bien écrits? Est-ce que c'est là où ils votent habituellement, qu'on les a gardés? Je pense que c'est un travail qu'il faut faire. Il faut associer, pour moi, les partis politiques en dehors de ceux dont vous avez parlé, les congoneurs à qui on doit un peu de sous. Je pense que les chefs quartiers, les nouveaux maires qui ont été élus, les conseils communaux, devraient rapidement se mettre dans la danse pour qu'à la fin, on ne puisse pas assister à ce à quoi on a assisté, à savoir un fort taux d'abstention. Il faut que les partis politiques soient mis à contribution pour qu'on puisse aller vers une élection. Voilà. On va passer au troisième sujet de ce matin et ce sera le dernier de nos échanges plateaux. La lutte contre l'insécurité en République du Bénin et puis cette information relayée dans la presse ce matin et qui date du 11 octobre. Un jeune homme, hein, un conducteur de taxi-moto qui a été arrêté à Sinandé avec des fusils. On parle de 12 armes de fabrication artisanale. Il aurait reçu comme mission de transmettre ses armes à une dame dans la commune de Kérou, Herman Anembosou. Sinandé Kérou. C'est vrai que pour avoir fait séjourner dans la zone, j'imagine à peu près ce qu'il... Mais justement, qu'on trouve en possession d'un individu 12 armes de fabrication, qu'elles soient de fabrication artisanale ou de fabrication moderne, ont des fusils. Et donc quand il y a fusil quelque part, arme à feu, ça peut tuer. Ça tue. Voilà. Et donc je pense qu'il faut, c'est des choses à décourager. Mais en même temps, ça pose un problème, le problème de la réorganisation de ce secteur-là. Parce que qu'ils vous souviennent que, oui, c'est vrai que le Bénin a en partie comme activité première la chasse. Et donc on peut voir des chasseurs qui sont,
en possession de leurs fusils. Il faut réorganiser. On l'a dit il y a longtemps. On a demandé. Il y a ce communiqué du ministre de l'Intérieur qui demandait à ceux-là qui avaient des armes à feu de les déclarer et autres. Ça veut dire qu'on a dû baisser les bras. Mm. Il faut revoir ce communiqué. Il faut aller dans les hameaux les plus reculés. Parce que justement, mon oncle qui a commencé, qui a une arme à feu et qui ne veut pas déclarer, il ne sera jamais déclaré. C'est quand vous êtes en brousse que vous entendez un coup de feu, on dit qu'on vient de tuer un lapin. Et donc je pense qu'il faut vraiment qu'on organise ces secteurs-là pour qu'on sache qui a une arme à feu, qui ne l'a pas au Bénin. Oui. Uh-huh. Non, cette situation de Sinandé vient interpeller la conscience humaine, interpeller les forces de l'ordre, notamment le ministère de l'Intérieur, de manière à ce que les mises en garde de Saka, Lafia puissent être vraiment mises en application. Parce que quand on retrouve un conducteur de taxi moto, je n'ai même pas su s'ils ont pu vérifier si c'est un réel conducteur de taxi moto ou bien il a juste porté la bille pour camoufler son statut, n'est-ce pas, en possession de 12 armes à feu. Et la destinataire, c'est une dame. Mmh. C'est une dame. C'est elle qui devait recevoir. Une dame fera quoi avec les armes? Va-t-elle les revendre? Elle a des chasseurs qui travaillent pour elle. Qui travaillent pour elle. Elle veut les revendre. Que veut-elle faire avec? Et vous savez, une arme à feu, ce n'est pas un jouet. Donc, même si c'est une maman qui est généreuse et autre, ce n'est pas pour distribuer les armes à feu aux enfants. Donc, ça pose un réel problème de sécurité dans la zone. Et les élections présidentielles, qui s'approchent, on dira que les temps ne sont pas bons. Vous comprenez? Donc, quand vous retrouvez à une période sensible où, bon, un propos à l'écart parce que en politique, les commentaires plus ou moins déplacés peuvent mettre vos nerfs en exercice, à rude épreuve, de manière à ce que, bon, vous avez dit que les temps ne sont pas bons, oui. En faisant référence donc à la présidentielle. À la présidentielle, oui. N'oubliez pas que nous sommes à pratiquement 2 mois des fêtes de fin d'année également. Voilà, donc, c'est que ce sont des périodes très sensibles. Est-ce que ce n'est pas une manière de se préparer pour braquer les gens afin de fêter à la fin de l'année, vous voyez? Donc, les armes à feu, ce ne sont pas des jouets. Les périodes sont très critiques. Il ne faudrait pas qu'en lieu et place d'une paire de gifles ou d'un coup de poing, on utilise une arme à feu. Donc, nécessité donc pour le ministère de l'Intérieur de mettre ses mises en garde en exécution pour rassurer les populations. Au moins, on a pu circonscrire cette fois-ci, n'est-ce pas, que c'est dans la zone de Sinandé et que ça devrait atterrir à Kérou, des localités voisines d'une manière ou d'une autre. Mais c'est là où on a identifié pour cette fois-ci. Il y a bien de localités, n'est-ce pas, comme l'a dit Herman, où la chasse fait partie des activités premières des populations, où bien entendu, on a besoin des armes à feu, mais il faut, n'est-ce pas, décourager la détention d'armes à feu sans autorisation, sans qu'on ne sache qu'est-ce qu'on veut faire avec et qu'on n'a reçu aucune autorisation de détenir une arme à feu qui peut se révéler nuisible à toute une localité s'il le faut. Oui. Je pense que cette opération doit permettre à la police de remonter un peu ce filon-là, parce que justement, celui qu'on avait en possession de ces armes à feu, il n'est pas allé chercher dans la brousse. Il n'est pas le fabricant. Il a dû aller chercher ça ailleurs. Peut-être que, comme l'a dit, ici c'est pour une dame, peut-être que c'est la dame qui lui a dit d'aller chercher des armes chez quelqu'un, quitte à ce qu'elle prenne pour, comme vous l'avez dit, peut-être que c'est pour remettre à des chasseurs qui travaillent pour elle et tout. Toujours est-il que je pense que sur ce dossier-là, la police doit pouvoir nous donner une suite. Et la suite à donner, c'est de nous dire oui, les armes proviennent de telle usine de fabrication et devaient atterrir dans telle main pour telle utilisation. Parce que justement, mettre la main sur le conducteur taxi moto, qu'il soit déguisé ou pas, pour le jeter en prison, pour moi, c'est pas la solution. La solution, c'est de voir à quelle destination, à quel usage étaient destinées ces armes-là, pour pouvoir savoir où il faut frapper. Parce que justement, oui, on va mettre le conducteur en prison, on va faire ça, et le reste, on va se taire. Je pense que pour une première fois, on attend la police, que la police vienne nous dire sur le plateau, en fait, par différents moyens de communication, comment cette enquête a abouti, pour qu'on puisse avoir le cœur tranquille. N'oubliez pas que il y a quelques temps, on nous a dit qu'on a vu, on a supprimé une voiture, je crois, qui allait dans la zone de Pereret, qui a été surpris, une voiture surprise avec des armes dedans. Donc il faut qu'on puisse quand même essayer de nous gérer cette situation, parce que qui dit armes dit
la mort. Destruction massive des humains. De la mort. Merci à vous, Herman Aniamoussou. Merci à vous, Wahab Alipara. C'était nos échanges plateaux de ce mardi matin. L'actualité se poursuit également, puisque tout à l'heure, on va emmener un acteur politique à se prononcer sur certains faits d'actualité, notamment ce qui se passe au sein de sa formation politique, le parti Moël Bénin. On va glisser par la suite sur la présidentielle de 2021. Bienvenue Dadayon Milo-1, membre du parti Moël Bénin. Il est le conseiller politique au bureau politique de ce parti. Il est notre invité. Vous recherchez une formation qualifiante dans les métiers d'expert comptable, de banquier, d'assureur, de communicant, de gestionnaire d'entreprise et de spécialiste des ressources humaines. L'Institut supérieur d'expertise et de gestion, fondé et dirigé par une association d'universitaires et de professionnels, prépare au diplôme d'état de licence et master dans les filières comptabilité, contrôle de gestion et audit, management des ressources humaines, banque, finance et assurance, marketing et communication. À l'ISEG, préparez également votre diplôme d'expertise comptable suivant le cursus français, en présentiel et via notre système de e-learning. Grâce à nos partenariats, centaines d'entreprises et institutions, l'ISEG garantit les stages d'immersion professionnelle à tous ses apprenants. Mieux, votre mobilité académique vers les universités partenaires du Bénin, de la Tunisie et du Cameroun est assurée. Pour tout renseignement, rejoignez notre campus Sizakotonou Bedroumende, deuxième rue après le Carrefour 16 Ampoule, et sur notre page Facebook ISEG Bénin. Ou appelez le 229 21 32 10 43 ou le 66 51 76 50. Site web www.isegbenin.org. ISEG, l'expertise à votre portée. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Sist Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. SIST LBM location de voiture, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Ça vous prend? On n'est jamais assez prudent. Sous la pression, prudence est mère de sûreté. Prudence Plus, chaque fois, toutes les fois. Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout. Et voilà, retour au plateau pendant qu'il sonne 8h passées de 5 minutes. On vous reçoit, bienvenue Daniel Milo-1, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes conseiller politique au bureau politique du parti Moël Bénin. Membre fondateur donc de ce parti, je dirais aussi hein, une personnalité influente hein, ou pas des moindres de ce parti politique, mais apparemment vous êtes en difficulté depuis quelques heures ou quelques jours, je dirais, avec cette démission en cascade hein, dans la 5e circonscription électorale. Avez-vous reçu l'exploit du CIE par rapport au départ d'une dizaine de vos membres? Bonjour Christian et bonjour aux auditeurs, et je pense que
pour une actualité, c'est la toute dernière de Bolbénet. Vous avez choisi de commencer par là. Oui. Et bien donc, sans hésiter, je vais vous répondre. J'attends de vérifier parce qu'hier, jusqu'à 20h, je suis rentré. Et puisque on était en réunion au siège, donc jusque-là, il ne nous a pas été notifié officiellement le dépôt de cet espace du CIE. Mais nous avons vu circuler la nouvelle sur les réseaux sociaux. J'ai reçu la notification aussi dans ma boîte. Donc, c'est tout nouvel. C'est vrai que c'est peut-être un peu choquant. Mais nous prenons ça sportivement. Ça participe de la vie des partis politiques. Et je pense que ce sont des militants que nous perdons. Des gens qui ont fait un parcours avec nous et qui, quand même, durant tout ce trajet, ont donné de l'heure. Et donc, nous aurions aimé ne pas avoir de démission. Mais puisque c'est allé jusqu'à ce niveau, et bien nous prenons ça et nous avançons. Ça fait partie... Et disons que de la vie des partis politiques, et c'est une première à Bénin, c'est déjà un parcours qu'on a vécu. Et on constate des démissions tous les jours dans les autres partis. On s'attendait, même si on aurait espéré que ça ne vienne pas de sitôt. Mais nous prenons ça sportivement pour avancer, rester concentrés sur nos objectifs. Voilà, c'est vrai. Que prévoit le parti politique, les thèses du parti politique en cas de démission? Est-ce que ce n'est pas esplat du si? Est-ce que c'est juste une notification? Qu'est-ce que les thèses prévoient? Alors, il y a deux possibilités. Ils peuvent démissionner logiquement, c'est pas une simple lettre. Mais il y a un parcours, il faut 2 mois pour valider ou non. Et l'autre réserve, et je me suis en train de voir ça venir, c'est qu'il est, proscrit au sein de Moïse Bénin de démissionner 6 mois avant les élections. C'est dans nos statuts et donc nous allons apprécier. Permettez que que ce soit pas sur le plateau. Je n'ai pas encore la confirmation que ça a été déposé. Donc je ne voudrais pas trop. Vous n'avez pas encore la confirmation, mais de ce que nous autres nous avons, ces démissionnaires parlent de raisons de convenance personnelle, mais un peu plus loin, le motif de leur démission a rapport à l'incapacité de votre parti politique à convenablement participer à une élection. Les exemples sont là, les élections législatives de 2019 et les communales de 2020. Ouais. Que répondez-vous à ce qu'on vous reproche, à ce qu'on reproche à votre parti politique? Alors, je sens déjà une contradiction lorsque vous parlez de convenance personnelle. C'est écrit dedans. Vous parlez de convenance personnelle, oui. Et qu'un peu plus loin, vous commencez par parler de la capacité du parti. Première observation. Deuxième observation, c'est que ce n'est pas hier que Moïse Bénin a raté ces 2 élections. Et pourquoi donc ces derniers ont attendu jusqu'à hier pour citer, bon, je mets ça en grippe, c'est mobile comme justificatif de leur démission. Et là, je vous porte une information, nous sommes en train de remembrer le parti politique au sorti de notre congrès du 26 et 27. Et donc, nous sommes appelés à restructurer le parti. Il y aura forcément des départs. Il y aura forcément des gens qui vont perdre des postes. Il y aura puisque nous sommes partis d'un bureau politique de 81 membres, pour nous dire qu'il faut nous limiter à 60 parce qu'il faut alléger la structure de gestion du parti. Et cette refonte de l'organe directeur du parti doit aller jusqu'à la base. Et donc, forcément, il n'est pas certain que ceux qui sont partis puissent rester au poste. Et ça dit qu'ils ont vu le danger venir. Je ne saurais le dire. Je voudrais laisser le bureau apprécier la lettre de démission dans toute sa profondeur avant de venir vous livrer ici sur les plateaux. Justement, vous dites que ce n'est pas hier que vous êtes sorti des élections. Il y a une autre élection qui est en vue, la présidentielle. Oui. Alors, pourquoi au sein de votre formation politique, vous ne travaillez pas à avoir un candidat, par exemple? Non, là, ça pas, là, nous amener en arrière. Moi, Bélé a tranché sur cette question. Nous sommes de la mouvance présidentielle. Et nous pensons que ce serait plus courant pour nous, d'accord, de maintenir le cap. Et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui sur l'arène politique, le seul parti politique à avoir désigné son candidat. Et pour glisser un peu sur l'actualité, vous constatez avec nous que notre candidat a dit oui à notre désignation. Il a dit officieusement. Mais c'est toute une question de méthodologie. La dernière fois, lors de mon passage, je vous ai dit, nous ferons les choses dans les règles de l'art. Moïse Bénin a désigné son candidat au Conseil national le 9 août. Après ça, nous sommes allés à Ouida, élaborer une feuille de route du 29 au 30 août. Nous sommes allés au Congrès pour entériner la décision. C'est une logique. Il faut respecter les dispositions statutaires. Est-ce que la feuille de route avait prévu que Patrice Talon puisse, en comité restreint, annoncer sa candidature le week-end passé?
Il a annoncé sa candidature le week-end passé à parce qu'on me portait une information. Moi, je n'ai pas cette information. Non, je ne suis pas ici pour commenter parce que je ne suis pas dans les coulisses de fraternité. Mais ce que je vous dis, c'est que je suis heureux de constater qu'une fois encore, Mouel Bénin confirme, d'accord, qu'il ne met pas sur la place publique des informations dont, qu'on peut lui opposer plus tard. Parce que la dernière fois que j'étais sur ce plateau, on me disait... Mouel Bénin n'a pas la capacité de désirer Patrice Talon comme candidat. Et s'il disait non, je vous ai répondu aussi. Il n'a pas dit non. Ça fait une page de tournée. Ah donc, vous allez voir, ça vous dit qu'il a dit oui. Mais vous verrez. Mais pourquoi vous voulez que je parle à sa place? Je vous ai dit la dernière fois, lorsque parti politique regarde dans son sein et porte sa candidature sur un de ses membres, alors l'individu a deux possibilités. Soit il dit non, soit il dit oui. Mais il n'a pour pas encore dit non. Il n'y a pas encore le nom. Alors, la présidentielle, la présidentielle est là. Et c'est pour quand le oui? Oui. Le oui officiel. C'est un agenda. Ça partit de la stratégie du parti. D'accord. On ne va pas vous livrer ça ici. Merci. Et votre formation politique avait-elle son représentant à ce rendez-vous restreint que le chef de l'État a eu avec certains leaders politiques? Pourquoi voulez-vous que je vous le dise ici? Que le chef d'État ait des concertations avec des leaders politiques, c'est une chose. Cela ne change en rien le fait qu'il est le candidat des Indes de Mouel Bénin. Et que jusqu'à à cet instant, il reste le seul candidat porté par un parti politique. Nous n'en avons pas d'autre. C'est votre parti politique. Et c'est notre parti politique. Aujourd'hui, vous réjouissez une manière de nous dire que vous avez vu juste. Qu'est-ce qui a milité en faveur de votre choix? Alors, première chose, il faudrait arrêter le cycle de vote contre des individus. Nous avons remarqué que depuis que nous sommes dans ce processus démocratique, il est rare de voter, de porter un choix sur un candidat pour le programme qu'il présente. Nous sommes toujours dans des logiques vindicatives. Il faut arrêter ça. Deuxième chose, aucun chef d'État en exercice n'est jamais parvenu à avoir la caution populaire durant tout son mandat. On regrette souvent les chefs d'État après le départ. Il faut arrêter ça. Et troisième chose, nous estimons que le programme d'action du gouvernement que nous soutenons et auquel nous participons derrière à la réalisation est un programme alléchant et porteur de bonheur pour tout le peuple. Pourquoi donc arrêter cette dynamique? Il n'y a pas de logique qui tienne. Les routes qui se font, les réformes, les différentes réformes du système partisan, les réformes sur les droits de grève. Quel parti politique opposant aux mouvances n'a pas joui de la stabilité observée au niveau du système éducatif béninois, du fait qu'on n'a pas eu tant de grèves? C'est à l'actif de tous les Béninois, ce n'est pas un régime. Et donc nous estimons que quand on est dans cette dynamique, il faut mieux travailler à poursuivre cette dynamique, quitte à corriger les imperfections remarquées, que de remettre tout en cause et de verser dans par terre 5 ans de sacrifice. Ce n'est pas facile pour les Béninois, ces 5 ans de sacrifice. Ça a été dû pour tout le monde. Mais est-ce que, après avoir consenti ces sacrifices, le choix optimal aurait été de reverser tout ça à zéro pour repartir, pour nous allier à nouveau avec l'éternel recommencement? C'est non. Et tout homme objectif dans ce pays va dire, il vaut mieux poursuivre pour laisser le temps à ces réformes de mûrir. Et donc, voilà la logique dans laquelle Mouel Bénin a dit, il faudrait forcément que le chef d'État puisse poursuivre dans la dynamique, dans la rigueur. Bien entendu, on va voir comment corriger tout ce qu'on peut corriger pour que nous puissions quand même au soir de 2026 nous satisfaire d'avoir conduit ce PAG de bout en bout. Justement, vous vous accrochez au programme d'action du gouvernement, vous rappelez un certain nombre de réalisations à son actif, c'est-à-dire que pour les 5 prochaines années à venir, vous voyez un peu son projet de société à venir ressembler un tant soit peu à vous, votre vision des choses, à votre projet de société. D'abord, il faut remarquer que c'est parce qu'il y a une acquaintance entre le programme politique de Mouel Bénin et ce qui a été d'être fait, que nous sommes toujours dans la mouvance. Et donc, ce n'est plus une question à poser. Deuxième chose, comme je le dis, ce PAG, je n'ai jamais vu à ce jour un leader politique de quel bord fut-il décrire le programme d'action du gouvernement. C'est la preuve que, d'une manière ou d'autre, les Béninois s'y retrouvent. Bien entendu, quand on finit 5 ans, on va faire un bilan et voir ce qu'il faut. Ce qu'on a pu faire, ce qu'il faut poursuivre, ce qu'il faut améliorer. Et donc, nous sommes dans cette dynamique. Et notre feuille de route, déjà élaborée, a prévu ça, que nous devons travailler à enrichir le programme d'action du gouvernement, de sorte qu'au soir du deuxième mandat, tous les Béninois puissent se satisfaire pour dire, une fois, nous avons été conduits avec un fil conducteur, vous permettez ça, et non de l'improvisation. Et je pense que
Et nous y travaillons et toutes les forces politiques de la mouvance qui s'inscrivent dans cette dynamique doivent travailler à ce que le programme que nous allons certainement porter ensemble puisse refléter les aspirations de ce peuple. Vous l'avez rappelé tantôt, Moelle Benin est le seul parti politique à ce jour qui a désigné formellement son candidat, Patrice Talon. Est-ce que vous avez encore des doutes sur cette candidature de Patrice Talon? Des doutes? Oui. Pourquoi? Je vous l'avais désigné et vous n'avez pas reconnu, ce conclave restreint, vous ne l'avez pas reconnu? Non, ce n'est pas que je n'ai pas reconnu. Oui. Mais j'ai dit, je ne veux pas te dire pour... disons, une décision du parti Moelle Benin, ce qui s'est passé au conclave. C'est une nuance importante. D'accord. J'ai dit, ce qui a été fait n'appartient pas ou ne rentre pas en ligne de compte comme décision du parti Moelle Benin. C'est autre stratégie. Mais vous avez vu, au lendemain de la désignation du candidat, il est allé rencontrer le bureau politique du BR. Il est allé rencontrer le bureau politique de l'UP. Mais ça n'a pas émoussé les ardeurs de Moelle Benin. Nous sommes une famille. Et s'il doit aller là-bas pour avoir beaucoup plus, pour asseoir davantage. Est-ce qu'il a déjà rencontré le bureau du Moelle Benin au lendemain de sa désignation comme candidat? Pourquoi vous pensez qu'il ne nous a pas remplacés même avant? Pourquoi vous pensez qu'il ne nous a pas remplacés une ou deux fois? Qu'est-ce qui peut justifier qu'à cette date, ce soit seulement Moelle Benin qui désigne Patrice Talon comme candidat, alors même qu'il y a d'autres forces politiques qui s'attiennent à cette même mouvance présidentielle? Parce qu'il y a le candidat de Moelle Benin. On ne peut désirer que son militant. Ouais. Mais c'est tout. Vous voulez dire est-ce que c'est pas une manière pour vous de rentrer dans une compétition et d'essayer de la gagner au plus vite? Le processus électoral n'est pas à l'essence de la compétition. Et nous sommes en politique, chacun cherche à s'imposer, à prendre de l'avance sur ses adversaires. Et même au sein de la famille politique, on ne nous fait pas cadeau. Je ne veux pas rappeler ici que tous les faux coups, comme je le disais, les manquements à cette élection sont des coups et qui prennent peut-être même corps au sein de la famille politique. Parce qu'on sait que ces jeunes de Moelle Benin ont des vérités et si on ne les contient pas tout de suite, ils risquent d'évincer toute la classe politique. Et donc, quand c'est comme ça, permettez aussi que les jeunes choisissent les armes les plus fines pour s'imposer et pour résister à tout ce qu'on fait contre nous. Et ça dit que Moelle Benin travaille déjà dans l'ombre à dénicher des parrainages pour Patrice Talon? Je vous l'ai dit la dernière fois, Moelle Benin ne peut pas se lever, aller à un conseil national, peut-être que je dois partager avec vous les statuts. Allez-y. Aller à un conseil national, désigner un candidat sans avoir l'assurance que ce candidat a les parrainages. Ce n'est pas possible. Même si vous n'avez au sein du Moelle Benin aucun élu. Je vous l'ai dit que ça, c'est un faux débat. C'est du démarchage politique ou c'est quoi? C'est un faux débat. Et vous avez vu la Sénat qui dit quoi? Le parrainage est anonyme. Il n'est pas dit que si vous, par exemple, vous étiez un élu, que vous pouvez donner le parrainage, il reste pas sur la place populaire, non. Et donc, souffrez que dans cette réserve, Moelle Benin ne livre pas sur les plateaux sa stratégie de mobilisation des séparatistes. On peut comprendre que la Sénat peut comprendre la démarche de Moelle Benin et a donc opté pour l'anonymat au niveau du parrainage. Je voudrais d'abord commencer par vous dire que l'avènement du parrainage fait partie des propositions du parti Moelle Benin. Au dialogue politique. Au dialogue politique. Bien sûr. Pour désagréger un peu les cautions exorbitantes qui étaient là à l'époque. On a dit, si la logique que vous voulez, c'est de filtrer les candidatures et empêcher les candidatures farfelues, autant mieux ne pas faire l'apologie de l'argent, mais filtrer les entrées. Et donner donc la possibilité aux partis politiques, puisque l'une des essences de cette réforme, c'est de renforcer la base des partis politiques. On dit, autant donner même la possibilité donc aux partis politiques de parrainer les élus, quitte à désagréger les cautions qui étaient quand même exagéré. Et quand nous avons dit ça, Moelle Benin aurait souhaité même que tout élu, on n'a pas dit forcément, mais tout élu, puisque un élu a un mandat, et donc il représente un électorat, puisse donner son mandat. Et donc, nous sommes à la phase expérimentale. Dès qu'on va finir ça, on pourra encore évaluer. Mais Moelle Benin sait qu'il a en sa capacité non seulement la possibilité de mobiliser les 16 parrainages, mais beaucoup plus. Et c'est ça qui a fondé et qui a fondé toute la confiance qui a gouverné notre Conseil national. Ça veut dire que Moelle Benin aurait pu avoir son propre candidat au lieu d'aller choisir si le candidat Patrice Talon, qui à cette date ne nous a pas encore dit s'il est militant de Moelle Benin ou pas. Vous pensez que Moelle Benin est quand même un parti aussi maladroit pour aller désigner en Conseil national un candidat qui ne serait pas un de ses membres?
Non, je vous en prie. Et ne serait-ce que par tout ce que nous avons fait jusque-là, je vous refuse de nous porter cette insulte. Moi, le Bénin ne le ferait jamais et dans cette diversion. Et donc, c'est notre candidat. Et ça se confirme que c'est notre candidat, puisque deux mois après, aucun parti politique n'a pu se réclamer que c'est son militant. Aucun parti politique ne l'a désigné comme nous. Tout le reste, c'est que nous supportons. Le choix des expressions est très important. Et ça dit qu'il se peut que Patrice Talon, une fois qu'il va confirmer sa candidature, aille aller laisser avec le logo de Moël Bénin. C'est une question. Ça ne va plus avoir lieu. Si Patrice Talon est candidat, il est le candidat de Moël Bénin. C'est confirmé, c'est affirmé. Et le Congrès national, qui est l'instance supérieure, vient de valider. Et c'est au lendemain de ce Congrès qui a validé cette candidature que tout le reste, toute l'actualité dont on parle là est sortie. Ah, depuis que vous l'avez déclaré, tout est une logique. Depuis que vous l'avez déclaré candidat de Moël Bénin, est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec lui au sein de comité restreint pour qu'il vous dise qu'il est preneur? Cela participe de la gestion interne du parti, si vous voulez comprendre ça. Venez à Moël Bénin. Alors, parlons maintenant du ticket présidentiel. Oui, Patrice Talon est votre candidat, le candidat de Moël Bénin. Son coulistier sortira de quel rang? De vos rangs? De toutes les façons, Patrice Talon est candidat du Bénin. Oui. Le coulissier de Patrice Talon serait forcément quelqu'un de la mouvance présidentielle. Et donc, pour l'instant, souffrez qu'on garde ça. Parce que, en réalité, c'est l'une des plus grosses surprises. Le rendez-vous de 2021 va s'enrichir par cette surprise. Je ne voudrais pas... La question du duo ou mais la parce forcément, oui, c'est ça. Okay, parce que... Est-ce que vous opterez pour une colistière, lui, en place de colistière, avec l'agente féminine honorée? Ce serait peut-être un honneur pour l'agente féminine, mais ça ne va pas surprendre le Moël Bénin. Parce qu'à Moël Bénin, ça fait partie de nos combats, la restauration de l'agente féminine. C'est pour ça que tout ce que nous faisons... Et si vous allez au dernier congrès, nous avons porté... Et cette volonté dans nos statuts et règlements. Nous faisons l'effort dans nos discours et dans nos actes d'équilibrer, de tout faire pour que le quota de 30% de femmes partout soit respecté. Mais aujourd'hui, nous l'avons transcrit dans nos tests. Et c'est pour vous montrer que Moël Bénin est prêt à aller plus loin. Et donc, que ce soit une femme, ce serait à notre actif, ce serait, disons, salutaire pour le discours et le combat que nous menons. À cette date, le président Moël Bénin reste le seul président d'un parti politique à signer cet engagement avec les ONG qui luttent dans la place. Déjà que pour les élections communales, votre candidat à Cotonou, c'était une femme. Bon. Et un peu partout. À Cotonou, Cotonou 15e comme 16e, c'était des femmes qui portaient les lignes. Donc, Moël Bénin, ce ne serait pas une surprise pour Moël Bénin, ce serait donc la consécration du travail que nous faisons. Et donc, souffrez que je m'en arrête là. Si c'est Moël Bénin qui sera à colisser ou pas, les heures à venir vont nous situer. Est-ce que vous pensez que la question du duo, c'est une équation, une très grosse équation qui aujourd'hui peut être donnée à ces deux fils à retraite à Patrice Talon ou à n'importe quel candidat? Ça dépend. Ça dépend du niveau de préparation du candidat. Et je pense que nous avons eu ce dialogue, ça fait quand même un bon moment. Donc c'est une question qui devrait déjà être réglée. Sinon, qui est réglée? Et donc ça ne devrait pas poser problème. Puisqu'on sait que nous avons les élections présidentielles en 2021 et que désormais nous irons avec un duo. Et donc ça ne doit pas relever de l'improvisation. Et j'estime, et connaissant le chef de l'État et dans les coulisses du parti politique que je suis, je pense que c'est une question qui ne doit pas être un problème. Bien entendu, nous sommes en politique, il faut beaucoup de compromis et pour quand même maintenir la barre, pour ne pas frustrer et pour aussi équilibrer, parce qu'il faut jouer avec les équilibres régional et un peu de tout. Donc il y a beaucoup de paramètres qui restent en jeu, mais il faut anticiper. J'ai foi avec notre stratégie d'anticipation, ça ne doit pas... Vous l'avez dit, connaissant un peu Patrice Talon, quelle serait la forme qu'il va choisir pour annoncer sa candidature? Non, ce serait donner des armes à l'adversaire de répondre à cette question. Puisque c'est... Le ticket que nous proposons en 2021, c'est notre surprise. Si vous le révélez sur les plateaux comme ça, alors que vous ne connaissez même pas l'intention des candidats et que nous savons qu'il est facile de débaucher des gens, il est facile de voler les stratégies, ne me posez pas cette question. Il y en a qui pensent qu'un discours suffirait, qu'un entretien suffirait ou que sa page Facebook suffirait pour qu'il annonce sa candidature officielle. Est-ce que Moël Bénin lui a déjà fait des propositions dans ce sens? Nous apprécierons dans le contexte. Nous, il n'y a pas un instant qu'on ne réfléchit pas. Nous réfléchissons en fonction de l'évolution du contexte. Et même si vous avez fait une proposition hier, avec ce qui se passe,
il n'y a pas de raison que votre proposition d'hier soit caduque. Et donc, il faut travailler à entretenir une veille pour maintenir la réflexion afin d'actualiser vos propositions. Est-ce que vous voyez, à Moël Bénin, une opposition aujourd'hui capable de tenir tête à votre candidat? Non. Est-ce qu'il y a une opposition? En réalité, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition au Bénin. C'est un débat qu'on peut, on pourra faire peut-être un peu plus profond. Parce que l'opposition, ce n'est pas un homme. Moi, j'ai été choqué, par exemple, à l'avènement d'un parti, de lire sur la page Facebook d'un honorable, le plus grand parti politique d'opposition à partir de Talon-Henley. Vous voyez, on s'oppose à des êtres humains. Non, il faut s'opposer à des idées, pas à des propositions alternatives qui crédibilisent votre démarche. En fait, c'est ça. Mais nous avons toujours eu des gens qui s'opposent à des individus parce qu'il y a des chocs d'intérêts. Il y a d'ailleurs ceux qui veulent s'engager pour le Bénin. Vous avez eu vent de ce courant de pensée-là politique. C'est heureux de savoir que donc, pendant 10 ans de gestion de pouvoir, ces gens ne se sont jamais engagés pour le Bénin. Et que c'est en 2021 qu'ils veulent s'engager pour le Bénin. C'est ahurissant. Et j'estime que lorsqu'on voulait, on veut choisir disons des expressions pour dicter une ligne de conduite, il faut suivre son parcours. Il faut faire référence à votre passé. C'est aujourd'hui qu'on veut s'engager pour le Bénin, alors que vous avez géré le pouvoir pendant près d'une décennie. Vous voulez vous engager pour le Bénin après l'avoir perdu? Non. L'engagement pour le Bénin doit être continu. Ça ne doit pas être un objet circonstanciel. Ça doit être continu. Que vous soyez dans la mouvance ou dans l'opposition, vous devez vous engager pour le Bénin à travers vos démarches. Tout ce que vous faites doit porter d'abord en avant le Bénin et non vous. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au beurre aujourd'hui que votre engagement au Bénin doit être plus illustré. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans la mouvance que vous devez. Vous devez entretenir cette fibre au quotidien, à travers ce que vous faites. Comment vous accompagnez le gouvernement à travers des propositions? Il ne suffit pas de venir critiquer ce que le gouvernement fait. Il vaut mieux plutôt opposer à ce que le gouvernement fait, une proposition alternative. Et non, Baptiste Talon a fait tant, on a fait tant, mais vous ne proposez rien en face. C'est ça l'engagement pour le Bénin? La critique, ça ne peut plus avancer, on a fini ça. C'est de ça qu'il s'agit. Un dernier aspect à aborder avec vous, la question du financement public des partis politiques. Vous n'êtes pas, disons, désigné, vous n'êtes pas éligible à ce financement public. Comment d'abord avez-vous accueilli cette nouvelle qui n'est pas nouvelle, hein, quand on se réfère un peu à la loi? Et ensuite, aujourd'hui, on sait que ces trois partis politiques vont bénéficier de 1,5 milliard de francs CFA. Moël Bénin ne fait pas partie. Comment vous vivez ça? D'abord, c'est rien pour Moël Bénin. Vous serez surpris, mais ça ne nous étonne pas. Puisque nous, au dialogue politique, nous faisons partie également des partis politiques à porter cette proposition. Parce que lorsque vous voulez amoindrir le poids de l'argent dans les campagnes électorales, il faut agir à trouver des ressources alternatives aux partis politiques afin de les libérer du joug des mécènes qui forcément ne sont pas de bons partenaires et qui veulent forcément toujours manipuler ces partis pour leurs intérêts personnels. Et donc c'est d'abord saluer la démarche. Mais depuis que nous n'avons pas pu participer aux élections communales, nous savions déjà que nous ne sommes pas éligibles. Alors, pour nous, c'est un défi supplémentaire de travailler à pouvoir être éligible. Mais ce qui nous rassure, c'est que ceux qui sont bénéficiaires aujourd'hui ne seront pas les éternels bénéficiaires. La vie est un jeu de rôle. Et nous sommes convaincus que le temps viendra où ils seront dans les mêmes rôles que Moël Bénin. Ils apprécieront à sa juste valeur tout le tort créé à Moël Bénin. Juste parce que on ne veut pas voir Moël Bénin survivre. Et donc, si qui je dois me prononcer... ne veut pas voir Moël Bénin, on. Le on, c'est comme je l'ai... Non, c'est pas caché. C'est les autres partis politiques. C'est les partis politiques. Tant que c'est Moël Bénin, c'est de la mouvance présidentielle que de l'opposition, bien sûr. Moël Bénin n'est pas allé aux élections législatives parce que il s'est trouvé une Sénat qui a inventé un doublon, au même moment que cette Sénat a trouvé des fautes mineures et majeures à d'autres. Et donc, vous comprenez que là, c'est un coup politique. Parce que si on voulait respecter la loi, on respecte la loi, on ne distingue pas là où la loi n'a pas distingué. Et si je veux faire un retour sur cette actualité, Moël Bénin n'a jamais eu de doublon avec le PRD. Du moment où le PRD n'a jamais présenté le nombre de candidats qu'il fallait présenter, il y a un membre du PRD présenté par Moël Bénin qui a écrit à Sénat pour dire « Je n'ai pas de cadre d'électeur, donc je ne peux pas être candidat. » Voilà. À partir de là, cette liste est à rejeter. Et quand vous rejetez une liste,
Vous ne comparez pas les électeurs. C'est une preuve d'incompétence de la Sénat. Nous dégérons tout ça pour vous démontrer que nous avons des coups, mais que nous n'allons jamais donner raison à l'adversaire. Nous résistons. Et aujourd'hui, ceux qui sont plus en difficulté, ce n'est pas nous. Nous sommes les seuls à adhésier notre candidat, nous sommes très à l'aise. Ce sont eux qui courent, qui cherchent des solutions pour rattraper Moël Bénin. Et donc, pour nous, c'est une satisfaction de montrer que Moël Bénin a sa place dans l'arène politique. Merci beaucoup. Merci à vous. Bienvenue Dayan Milorin, membre du parti Moël Bénin, conseil politique au bureau politique national de ce parti. On vous souhaite en tout cas un bon vent. Merci. Et bonne chance. Merci à vous. Herman Parfait, Alain Roussou. Très bonne journée du mardi. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs. Ensemble, nous allons revivre l'actualité à travers les analyses et les commentaires dans la presse écrite nationale. C'est la revue avec Assiomo Kanyassiomo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le scrutin de la présidentielle d'avril 2021 fait ce mardi le gros titre du journal La Dépêche qui écrit que pour construire un système partisan solide, porteur de cohésion et de développement et qui soit à l'épreuve des conspirations politiciennes, seule la méthode et une démarche consensuelle basée sur les réalités sociologiques du Bénin pourront éviter à l'édifice démocratique de s'écrouler tel un château de cartes. De son côté, Matin Libre estime qu'un populaire talent rempile avec la promesse de mandat unique non tenu et l'accord avec la coalition de la rupture violée, un avis que ne partage nullement le député Benoît Degla, avec lequel la Fraternité réalise un entretien et qui estime que les acteurs politiques qui devraient lui permettre de respecter sa parole n'ont pas coopéré dans ce sens. Ancien ministre, député de la 8e législature, Benoît Degla n'est plus à présenter, membre fondateur du Bloc républicain. L'élu de la 10e circonscription électorale donne son avis sur les grands sujets de l'actualité. À quelques mois de la présidentielle, il donne sa lecture de l'attitude des partis, souhaite que Patrice Talon soit candidat et justifie le fait que parrainer un candidat n'équivaut pas à un soutien franc. Les réalités politiques dans les collines, fief de l'invité, n'ont pas été occultées au cours de cet entretien. Le matinal, qui ne doute pas de sa candidature, se pose une question. Qui sera le vice-président de Talon? Le journal écrit que la candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2021 ne fait plus l'ombre d'aucun doute. À la faveur d'une rencontre politique le week-end écoulé, le chantre du nouveau départ a affiché son intention de briguer un second mandat pour parachever ses nobles actions à la tête du pays. De source digne de foi, poursuit le journal, aucun choix n'est encore fait par le président Talon, même si des noms circulent pour le poste. Pour le moment, les discussions sont en cours avec les partis politiques de la mouvance, apprend-on, pour la désignation d'un candidat consensuel. Est-ce le secrétaire exécutif national du Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane? Est-ce le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, ou encore leur collègue de la décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Seydou, ou l'actuelle première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariama Tchabitalata? Bien malin qui pourra répondre à ces interrogations, se contente d'écrire le journal. Dans sa parution du jour, l'économiste du Bénin est revenu sur la réunion des institutions de Bretton Woods sur la COVID-19 et informe qu'alors qu'il présidait les 8 et 9 octobre 2020 la revue des performances du portefeuille de la Banque mondiale au Bénin et la réunion de haut niveau de la Banque et du Fonds monétaire international sur la pandémie de la COVID-19, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane est revenu sur les efforts du Bénin pour amortir le choc lié à la pandémie. Il a salué l'accompagnement des institutions de Bretton Woods et dressé le point des actions pour la riposte. Le journal rappelle quelques points forts de l'allocution du ministre béninois et informe que selon le ministre d'État, les chiffres issus de ce travail révèlent que 37% des ménages au Bénin étaient vulnérables à la COVID-19. Dans le secteur entrepreneurial, 40% des entreprises légalement constituées sont frappées.
Dans 38% des entreprises prises en compte par l'enquête, le chômage technique était utilisé pour juguler les dégâts de la pandémie. Et puis Fraternité rapporte qu'un taxi-moto est arrêté à Sinandé avec 12 fusils. À en croire le journal, c'est ce qu'ont découvert les forces de sécurité publique à la suite de l'interpellation le 11 octobre 2020 d'un conducteur de taxi-moto à Sinandé. Selon les informations rapportées par Frisson Radio, ce jeune homme en provenance de Bembereke avait en sa possession 12 armes de fabrication artisanale. Il aurait reçu comme mission de transmettre ces armes à une dame à Kérou. L'informateur qui écrit que la police est sur les traces de la dame croit savoir que cela amène vers le démantèlement d'un vaste réseau de trafiquants. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Merci d'avoir suivi notre matinale de ce jour. C'était Actu Matin. Merci à chacun et à tous. Très bonne journée du mardi. Rendez-vous demain, mercredi, avec beaucoup d'autres informations à partager avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Et comme j'aime à le dire, gardez le sourire. Au revoir.